Hey, salut tout le monde, ici Raz, et on est de retour pour notre merveilleuse aventure. Alors, on était pour régler mon lendemain de brosse. Ah ben oui, il marche le perk. Quand je fais attention aux trappes, j'ai le perk, mais quand je fais plus attention... Oh! L'écran de troll. Oh. Sérieusement, ça fait penser à l'œil. Ah, c'est thématique, hein? Il me voit, là. Il me voit. Bon, ok. Retour aux choses sérieuses. Ah, zut, j'ai pas pu aller looter le corps. Bon, une petite gorgée. J'ai un bon 2 litres d'orangeade. Et bébé Satan est toujours là, à me fixer. On dirait qu'il veut faire des choses pas très catholiques, puis... J'adore cette longue côte-là. Là, c'est le... Je suis où, là? Je suis A. Vous êtes ici? Sam. Je commençais à penser que vous n'arriveriez peut-être jamais. S'il m'avait un peu plus aidé, oui, je suis arrivé plus tôt. Je pensais que vous ne vous souviendriez peut-être pas de votre premier voyage ici. Le premier voyage? La nuit a été longue. Vous avez bien mérité le bâton. Oh, les plumes d'Arfreuse et tout le reste. Vous pouvez les jeter. Vous voyez... What? J'avais seulement besoin d'un prétexte pour vous encourager à découvrir le vaste monde et à répandre la joie. Et vous l'avez fait. La joie? Cela fait au moins 100 ans que je ne m'étais pas autant amusé. La joie. Il y en a un qui était furieux à cause de sa chèvre qui a disparu. Au temple de Dibella, ça foutche la marde? Quoi déjà? Ah oui, Isolda. On n'en parlera pas. Pilarfreuse! Sérieux, là? Si ma femme l'apprenait... Bof, la connaissant, elle va sûrement déjà le savoir, puis... Ouh! Du Pauline! Okay, Une blague! Une blague! Le prince des draps de la débauche ne donne pas dans les seins. Je monte un peu le volume. Blague. Ce n'était peut-être qu'une distraction au départ, mais je me suis rapidement rendu compte que vous feriez un bien meilleur usage de mon bâton païen. Ouais. Grosse sanguine. Pourquoi moi? Soyons honnêtes. Mes décisions ne sont pas toujours parfaitement réfléchies. Mais vous... Vous irez loin. Peut-être que l'influence de votre vieil oncle sanguine permettrait d'ajuster votre trajectoire. Un vieil oncle sanguine. Tout le plaisir est pour moi. Jungle Shio aussi, là. Il est temps que vous partiez. Ce n'est pas drôle de vous enfermer ici avec le bâton. Bon. Là, je vais me faire téléporter où, moi, là? Bon. Alors, bébé Satan, comment t'as trouvé ça? Bébé Satan? Quoi? Entrez, ok, ok! De ranimer le feu. Asseyez-vous, venez vous réchauffer. Ah, c'était ma première quête, puis... Vous voulez un petit conseil nordique? On ne connaît pas vraiment... Le feu du combat forge les meilleures lames. Oui. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais. Avez-vous parlé à ses compagnons? Ils bah, m'ont oui. dit que j'étais trop impétueuse. Quelle bande de lâches. C'est pitoyable. C'est ironique, ça? Ce n'était pas ma faute. Je leur ai porté... Ils voulaient que je prouve ma valeur. Alors ils m'ont fait combattre ce blanc-bec à peine assez vieux pour avoir des poils au menton. Ils pensaient sûrement qu'une femme ne pourrait pas lui faire de mal.
Je ne voulais pas le tuer. What? C'est la vérité. Mais je me suis laissé emporter. Le feu du combat forge. Oui, et une vraie nordique ne manque jamais l'occasion de prouver sa valeur. Bien, fini de discuter. Passez votre chemin, demi-portion. Vous ne faites pas le poids. Va chier. Un peu trop menteur, et tu bois dans nos verres. Je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda, la guerrière, a sorti son... Bon, là, il y avait un autre petit mode que j'avais installé. Je me souviens plus c'est quoi le nom exact, mais il me semble que c'est Aesir Armor. Et ça me débloque un magnifique donjon. Ben, ça fait un magnifique donjon, puis à la fin de ce donjon, se débloque l'armure la plus épique que j'ai jamais vue. Alors, on va aller le faire. Qu'est-ce que t'en dis, bébé Satan? Je vais te tuer. Ok, ok! Regarde-moi pas. Ok! Shit. Bon. Bien que tous les dragons soient... J'ai dit qu'on m'a pas. Ok! Ok, alors, c'était... Prout. Non, j'ai pas déjà été exploré. Il se débloque tout seul. Je teste mes modes pour savoir s'ils marchent. Puis j'ai checké un peu la map. Puis ça a tombé que c'est là. J'ai pas été dedans. C'est Milena qui s'est occupée de le tester. Elle m'a dit qu'elle avait rushé solide. Fait qu'on va voir. Ce qu'elle m'a dit, c'est épique et... Il fait que je fasse pas mal de quick save souvent. En fait, je pense que je vais même attendre un petit peu avant de le starter. Ce donjon-là, là, qu'on starte ça avec un beau début d'épisode. Ouais, prochain épisode, on va starter. Puis, oh! Wow! Ok. Yay! Ah oh ben tiens, les flaques de sang augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire? Que peut-on bien faire? Journal. On va aller voir si on a des petites quêtes. Trouver le saint du roi. Non, c'est ton turn. Hein? Ouh. Pas fait. Le mur d'Aldwin. Son Sartal. Tampal. Mission de sauvetage. Le mur de l'aube. Ah oui, tiens, les marques de Tibella. Tiens, pourquoi pas. Je sais, c'est improvisé, là, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Je suis de même. Regarde-moi pas. OK! Oh, c'est ce qui fait peur. Il est maléfique, ce toutou-là. Je suis pas un toutou. OK! Oh,
Ok, prochaine vidéo, je pense juste. Je pense que je vais le. L'envoyer valser plus loin. Mais ça, c'est la musique de Savannah Garn qui joue. Bon, c'est là où il est pour les autres situations. Il est très présent dans la ville de Fayas. Eh ben oui. C'est sûr qu'il est très présent. La guilde est là! Quand il est potentiel, vivait les mortels et qui adorait les bêtes comme des dieux. Tu m'as pas laissé finir! Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Il n'y a pas eu d'éclair. Oh! Ah, c'est vous! Vous venez encore me soutirer de l'or? Wow! Voilà, les vampires représentent un danger de plus en plus grand. Je peux. Ça qui est plate, t'as-tu une grosse foule de même? J'ose même pas attaquer pour la simple et bonne raison que je reste en taper un de me faire une. Nerveux en voyant un homme approcher l'arme de sort. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est à propos de. Il est parti où? Il est parti vers le CEO, le vampire. Ah, c'est que je pense que. Ah, c'est le plaisir de vous revoir. Il a dû se transformer. Où il y a. Ah! Un voleur. Épée courte d'or. Coplet, bougie. Ça doit être en argent, mais tu fais petit voleur de pacotille en ce moment. Vampire! Ça, ça fit moins par contre comme finish. Il y a un apothicaire en ville, oui. Tu vas. Marguerite Dibella. La boutique donne sur la promenade. Hein? Je voulais activer le d'hiver. D'ailleurs, alors ouvrez l'œil si vous vous y rendez. Ok. The Bee and the Barb. L'abeille et la barbe. Non, le B et la barbe. C'est ça, hein? Je crains de ne pouvoir faire grand-chose pour vous. Vous venez d'arriver en ville. Mm-hmm. Hein? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je ne tromperai jamais ma bonne Drifa. Écoutez, ça ne m'est arrivé qu'une fois, d'accord? Okay. Elle a dû verser quelque chose dans ma chope. Je ne suis jamais retourné au dortoir depuis. Mm-hmm. Prenez cette saleté, je ne veux plus jamais la voir sous les yeux. Parfait. N'oubliez pas de... Hop. Tant. Oui. Bon, avant que je fasse un speech de mad mental. Bon. Time. Pic. 9h. Putain, 10h. Attendons 9h. Et en attendant, parlons philosophie. Mais bon. Ah, il est là le maître vampire. Vous n'êtes pas non plus du coin, hein? Oui. Je suis un mendiant crasseux. Qui pourrait savoir me parler? Je n'ai rien à vous dire, alors dégagez. Et vite. Tant que vous venez d'arriver en ville. Que s'est-il passé? Tout semble pas soit fouillé. J'espère que c'était pas quelqu'un. Si je retrouve votre main dans ma poche,
Je la coupe. Ok, si tu veux. Ok, est-ce qu'on a retrouvé cette fichue marque de petite belle là? Bon. Ça fait deux là, là. Non, bébé Satan là, non. Ok. Bon. C'est ce que je pourrais bien dire, là. Je suis à court d'idées! Allez, bon. Le mode, c'est Armor of Aesir. Et on startera ça dans le prochain épisode. Qui généralement apparaît la même journée. La même journée que tous les épisodes d'une même session. Telle est ma manière d'agir. Bon, ça devrait pas prendre de temps à loader, là, quand même. Je pense que je vais un petit peu vite. Mais ça devrait pas être long à loader, c'est un petit intérieur. J'appuie Caps Lock. Ah, t'es là. Faut que j'aille ferrer des chevaux, alors faites vite. Hein? De quoi parlez-vous? Je sais même pas ce que c'est. Écoutez, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas avoir mauvaise réputation à Fayez, mais Helga est incontrôlable. Elle voulait essayer dans les étables. Alors j'ai dit oui. Okay. Si vous tenez tant à avoir cette cible. Très bien, prenez-la. Allons faire face à cette Helga. Ouais, partie de même, l'épisode va être un petit peu plus court. Ouh, je vais refaire un petit peu de forge. Je suis pressé. Tout le monde est dehors. Une question à se battre là, il s'est accroché le micro. Ok. Comme j'ai un casque, avec le micro accroché dessus, c'est un peu dur de pas accrocher le micro. Fait que quand je vais me gratter l'œil gauche, puis... c'est tough. Dans les arbalètes. Je les trouve un petit peu overkill. Bon, c'est sûr, c'est côté DPS, c'est pas très fort, c'est du sniping, mais... Bref, l'arbalète d'Oumer est aussi forte et plus forte que l'arc d'Aedric. Bon, j'ai été ajouter l'arbalète d'assassin qui est moins forte que celle d'Oumer. Mais celle d'argent est un point plus forte. Mais ça reste quand même très overkill. Mais bon, vu que c'est mis par Bethesda, on ne charlera pas. Puis c'est bon pour le snipe. Fait que... Oh, si vous avez remarqué, la flèche bouge quasiment pas. Ben, elle reste droite terriblement longtemps. Mais longueur chargée. Vous cherchez quelque chose? Ah, c'est vous. Vous venez encore me soutirer de l'or? Quoi? Comment? Où avez-vous eu ça? Non, ne dites rien. Je ne veux pas savoir. Écoutez, nous devons garder la plus grande discrétion à ce sujet. Que ça reste entre nous, d'accord? Personne n'a besoin de savoir. T'es pogné, hein? Si vous venez découvrir que je pratique l'art de Dibella à Fayez, il m'expulserait d'ici. Tenez. Prenez ceci et ne dites rien à personne. Surtout pas à Svanna. Surtout pas à Svanna. Je perds mon temps. Svanna! Vous avez Tiens, t'es juste à côté. C'est une corvée de garder cet endroit propre. Oh, je sais. N'est-ce pas merveilleux? Je parie qu'elle s'est tortillée comme un Ragnar quand vous les avez sortis de votre poche. T'es à côté, est-ce que... Je crois que les choses vont être radicalement différentes par ici à partir d'aujourd'hui. Et je vous en remercie. Tenez, prenez ceci. Cela appartenait à mon père, mais je suis certaine que vous en ferez bon usage. Ah, ça marche que je doive les vendre. Bien sûr, partez. Ça vous est bien égal, de toute façon. Svanna,
Est-ce que cet imbécile drogué au Skooma de Niluva a payé le loyer? Ou est-ce qu'elle a encore trouvé une bonne excuse? Bon, mais alors, upgrade de la forge! Yeah! Essayez d'obtenir ce sang-là. On a 10 minutes. Oh! Que s'est-il passé? Et pour ça, on va se rendre dans la... Rascave. Là, je vais me faire passer pour parler droit d'auteur. Rascave. Mais là, je m'en fous complètement. Rascave. Même là, ça peut pas être copyrighté tant que ça. Mais bon, c'est pareil, faut pas niaiser avec YouTube. Ça serait facile de perdre la chaîne. Déjà qu'on a eu un avertissement avec l'épisode de Fallout R-A-Z, Everybody Hurt, là. À cause du nom, on a eu un petit problème. À cause du nom, je pense, vu qu'il y avait R. quelque chose avec Everybody Hurt. De quoi de même, là, ça a été... J'ai pas eu de feedback depuis, là, donc ça devrait pas poser de problème. Ouais. Ok, upgradons la forge, puis je pense que je vais couper le temps de me rendre dans la forge, alors à tout de suite. Et de retour, bon, ok. Allons, forger, j'enlève mes... l'armure de tortue! De tortue ninja, plus précisément. Ok, bon, mon coffre. C'est bien ça que ce soit juste à côté. Ok, non, pas là. Donc, ah oui, l'armure d'intrigue. C'est une armure dite légère. Légère. Mais je me demande si ça l'upgrade bien. Oh, fichtre! Ça a passé comme de là à là. Parce que ça vaut trop cher. Non, trop cheaté. On rentre de quoi qui vaut un petit peu... qui vaut quand même cher, mais... Ah oui, armure légère. Armure 83 pour le prix de... N'en parlons pas. En tout cas, ok. Put. Bâton de combat en argent. Ah non, renforcé. Non, d'abord. Casse de plate. Non, trop. Cimetière d'argent. Ok, bon. Coat of plate helmet. Oh, on va voir. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut avoir de quoi qui vaut quand même assez cher? Pourquoi tout ce qui est en argent vaut... vaut cher, mais que j'ai jamais rien de ce qu'il faut? Ça rend pas mal le truc, mais... moins. Ah, j'ai plus d'argent. Ça, je peux bien faire. Ah oui! Les armes Jobit. Fichtre. Ça va être le bout de plate de l'épisode. Talon of Akatosh. Bon, au moins,
Bon, j'ai... Ah, l'armure de Dos de Troll. Et on l'a. Kumraz. Faudrait bien que j'efface pour les ajouter à ma collection. War Mage Tabarnache. Sur le point de manquer de bande de cuir. Ah, attends, je peux faire Azobrand. Eh ben. Ah, pas de valive. Ah, je cherche ce qui vaut cher à cause de ça. C'est même que ça marche maintenant. Le spammer d'arc de fer, ça. C'est plus très très efficace. Hein? Un cuir. Un impérial, il n'y a rien. Un cloutiste, il y a quelque chose. Ah, pot. Ah ah! C'est mon hache! 25 Lego! What? On l'oublie. Regal Huntsman, on va l'oublier. L'armure est trop craquée. Ils ont fait même un patch pour la mettre dans la section d'Aedric, ta main est craquée. Anneau d'argent de rubis. Je veux rien faire d'autre, ok. Ça vaut rien, donc ça sert à rien. Oh. Ah, on est sur le point. On est sur le point. Le samouraï. Ouais, c'est ça, je manque de bandes de cuir. Concrete shield. Oh. Et on est sur le point. Sur le point! Sur le bébé, ça... Regarde-moi pas, j'ai dit... OK! Oh! Héros compétent. C'est juste là que tu me le dis que je suis compétent. Merci. Alors, là, c'est le temps de mettre le point final. Dans la forge! Armure draconique. Et un petit quick check sur ce qu'on peut faire. Dragon! Arc de dragon, armure draconique. Armure pendragon, pas de draconique. Dag de dragon. Dovarkin arrow. Dragon Bane armor. Oh. Joli. Steel Allens. Je sais pas c'est quoi une Allens. Un autre arc. Oh, Great Sword est belle. Katana.
Nadashi, sabre. Ouh, Dragon Steel. Joli look. Draw Dragon Scale Armor. Ah, une armure draw. C'est. Oh. Un espadon d'Hydra. Je vois qu'il y a deux variations. Ah oui, Sniper Sidestep, beau. C'est tout. Bon, et eh bien. C'est sûr, ça remarque, il est donné dans d'autres catégories, mais je vais checker ça moi-même. Là, on a eu un petit aperçu. Là, ça va être la fin de l'épisode. Alors, c'était Raz ainsi que... Dis mon nom. Ok, bébé Satan, bébé Satan, bébé Satan! Et on vous dit salut.